retour sur le plateau de On s'éclate avec Rare Bull, avec Bomba Amisara, avec UC Pluriel et Nash. Ouais. Avec également Bébé P. On the track, track. Et Ordi, ça va Ordi? Ça va, puni toi. Alors, avant la pub, vous étiez en train de nous suggérer d'intervertir certaines personnes dans les deux équipes. Donc, Ray, tu vas rejoindre JC Pluriel. Donc, plutôt Bomba Amisara, tu vas rejoindre Nash et JC Pluriel va se mettre là. Je suis mode dans le film. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, je valide. Je suis perdue là. On va organiser les funérailles. On encourage l'échange. On encourage l'échange. On encourage l'échange. C'est là, ça va, chocolat. Et le changement étant fait. Avant, bien sûr, mesdames et messieurs, de retrouver le prochain jeu dans On s'éclate, nous allons revoir un tantinet, les images de la toute première partie de notre émission, les highlights. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça, c'était pendant Danse avec les Stings. Là, il y a grossi. Hein. Les caméras. Ah, tu as grossi, tu trouves? Je sais plus, tu vois un peu. Moi, ah, ouais, c'est ça. Moi, mais c'est ça. Les mapatas. Mais là, tu as dansé, tu as vraiment dansé comme Yannick Noah, là. Ouais, Bamba va tuer. La danse classique, non, à grippe aviaire, c'était la meilleure. Mais la femme, le bégo, bien. Mais Sarah est petite, hein. La radeur. Wow. Non, c'est toi qui es grand, malheureusement. Allez, on peut applaudir, c'était pas mal. On va revoir d'autres images tout à l'heure. Mais tout de suite, je vais vous convier, très cher, à un jeu très physique. Là, ce jeu. Il s'agit de la course de sac de riz. J'ai envie de dire gnac, 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 gnac. Je vais demander aux deux nouvelles équipes de se positionner là, au point de départ. Et Ordi nous explique de quoi il s'agit exactement. En effet, c'est une course de relais qui se fait les pieds dans un sac de riz. Le premier à réussir l'aller-retour passe le relais à son coéquipier qui effectue le même parcours. L'équipe gagnante sera celle qui franchira la première, la ligne d'arrivée. On va s'éclater. Merci beaucoup, Ordi. On va commencer donc par Ray et Nash. Les pieds dans le sac de riz, s'il vous plaît. Attention, est-ce que nos candidats sont prêts? Ils sont prêts, on peut y aller. Hop, c'est parti. Je sais pluriel. Et Ray, incontestablement, gagne cette manche de course de sac de riz. Hey, c'était pas mal quand même, les gars. Moi, j'ai trouvé que c'était assez rapide. Hein. Vous étiez très très rapide. J'ai adoré Ray quand il courait comme ça, un petit mais pas. Mais sans un pas même, la Zag est mon débat. Non, alors, le jour où tu vois un grain de riz courir comme ça, tu appelles la police. Bah oui, c'est sûr. Ordi. Oui, cool. On l'a vu à la caméra. Oui. Et alors? Alors, impression, et tu l'as déjà dit, de toute façon, JC, Pluriel et Nash l'ont emporté. JC Pluriel et Ray, tu veux dire? JC Pluriel et Ray. Ah bah c'est bien fait pour toi, Ordi. C'est toi qui as changé les équipes, ça t'apprendra. Ah, je te jure. Ben voilà. Alors, on va passer tout de suite au prochain jeu. Il s'agit du blind test. Le blind test. Alors, Mr. BBP, Baby Philippe, vous propose 10 extraits de chansons à deviner. Ça se joue à la rapidité, il va falloir être très rapide. L'équipe qui va donc trouver le maximum de titres ou de noms d'artistes remportera la manche. Alors, c'est un jeu, évidemment, de connaisseurs de musique. Mais je suis sûre et certaine que la liste que nous avons est une liste très facile à deviner. Et donc, BBP, on y va tout de suite pour la chanson number one. Qui chante? Alpha Blondie. Voilà. Vous l'avez dit ensemble, mais il a dit Bintou Werewere, donc je suppose que le point part à JC Pluriel. On enchaîne. Azonto. Fouz ODG. On ne réfléchit pas longtemps. On y va. Maman a dit.
straight. On a dit ensemble. Vous avez dit Azonto ensemble. Et évidemment, ce qui va vous départager, c'est celui qui va dire. La diffuse, moi, Dieu, Didi. On dira fuse. C'est hors vie. C'est pas fou. For who use pizza? On enchaîne. Beyoncé. Beyoncé. C'est bien. On a dit. Et c'est crazy in love. Un coup pour rien. Ouais. Ah ben c'est assez rapide quand même. Yeah, de Bordeaux, de Louisiana. Pardon, il faut que tu laisses couler. J'ai accepté certaines frustrations. Il faut que quelqu'un du public vienne le danser sur cette chanson. Révolté, révolté, révolté de Louisiana, révolté. National. J'ai grandi certains artistes qui ne reconnaissent pas. Mais seul Dieu connaît la vérité. Car c'est lui qui est au contrôle de tout. Bon Dieu, bon Dieu. Ouais, ouais, va, va, va. Étant donné que le couplet décalé est une guerre musicale, je déclare la guerre à tous les faiseurs. On encourage. Pas pour montrer que je suis un garçon aussi. La révolte du barbare. La tout barbou. Recevez ton nom le barbare. Appelez moi ton nom le barbare. Chou. Me révolter. Ouais, c'est ça. Rakim le prince, Orion production. Allez, encourage. Maman m'a calé la lumière. Et la fusion a de Bravo. Vous êtes fatigué? Jamais. Vous êtes fatigué? Jamais. Alors, j'ai une surprise, Connie. Pardon? À l'issue de cette petite chorégraphie, oui. J'annonce que toutes les personnes qui viennent de danser gagnent rien. Orti, c'est vraiment pas la peine. L'ami anniversaire dans lequel elle me finira. Ouais, vraiment, vers la fin. On continue avec le blind test. Check à l'aide. Pardon, et on fout. Chef Khaled. Chef Khaled, c'est une bonne réponse. Allez, lève-toi, Tony. Un petit truc. Bon, je vais essayer. Allez. Chichi. On l'encourage. Tony Khaled. Tony. Ah, on enchaîne. Ah ouais, tu penses? Au plateau vers 15h-11. Allez, on s'écoute la prochaine chanson du Blind Test et c'est la toute dernière. Youssoundou, Youssoundou. Et le titre de la chanson? Il y a ce gars, il y a oublié. C'est bon, papa, il y a tout fait. Il y a tout fait. Yasso. Yasso. Le titre est Yasso. Yasso, allez. Le titre est dans le refrain. Vous pressez pas. Misuma. Non. Non. Yamo. Lime. Birima. 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 Mais oui. Mais quoi? Birima. C'est Birima. Birima. Tu connais pas. Non. Et c'était le blind test. Birima. Ordi, qui c'est qui a gagné? Qui a remporté cette partie de blind test? Qui de tes nouvelles équipes remporte cette partie? C'est l'équipe. Oh là là, qu'est-ce qu'il peut être lourd, lui, souvent.
Il est réveillé. Oui. Il bug là, je crois. Il a soufflé. On parle de dormir, hein. Vous voulez bien? Oui, moi-même. L'équipe 1. Oh, là, il y a ces doigts, ok, il a dit ça. Rapide, pas la gueule, merci. Ça tue. C'était le blind test, merci de les applaudir encore une fois. Vous êtes dans On s'éclate. Et franchement, nous passons de très bons moments avec nos invités, hein, qui, voilà, qui sont vraiment dans la danse, qui se prennent pas la tête, qui font tout, hein, qui ont couru dans un sac de rimes, c'est incroyable. Et puis, dans quelques instants, nous allons retrouver le nouveau jeu. Ça, c'est quoi ça encore? Ça, c'est quoi ça encore? C'est les yaya. Ça, c'est quoi ça encore? Ça, c'est quoi ça encore? Ah ben, c'est le nom du jeu. Ça, c'est quoi ça encore? Ordi. Oui, Connie. Alors, arrêté derrière une toile blanche, vous allez essayer de faire deviner à votre coéquipier l'animal, l'objet, ou la personne, on va dire le truc, dont vous aurez auparavant vu l'image sur votre écran. Attention, voilà. Vous n'avez que 15 secondes par image, et l'équipe qui devinera le maximum d'images sera l'équipe gagnante de la manche. Vous avez bien compris? Mais ça, c'est quoi ça encore? On va bien compris. On va vous installer une toile blanche, hein, séance tenante. Okay. Une personne va se mettre derrière la toile et aura un écran sur lequel va défiler quelques images d'animaux, d'objets, de choses, je sais pas moi. Ou de personnes. Ou de personnes. Il faudra juste imiter ou faire des gestes qui pourraient donner des indices au coéquipier. Comme ça, c'est fait. Et voilà, vous avez 15 secondes par image. On va commencer par Bamba Amisara et Nash. On y va. Ça, c'est quoi ça encore? Alors il faut que je me dise en fait, tout à l'heure je crois que j'ai fait un lapsus, je sais pas parce que je m'en rappelle pas, j'ai dû dire sur lequel va défiler quelques images et donc elle vient dans mes oreilles pour me dire c'est sur lequel vont défiler. Donc si j'ai dit va défiler, ben je répète, c'est vont défiler, voilà. Nash, t'es contente? Ça c'est quoi ça encore? Ça, c'est pas ça, encore. Ray, tu peux poser ton micro. Tu vas venir mettre la main sur les yeux de Bamba Amisara pour qu'elle ne voit rien de ce qui se passe. Vraiment. Et je vais demander au public l'omerta. Il faut garder le silence. Celui qui parle, je le gifle. Bah, je vais gifler ce que je peux. Hein, parce que... Voilà, il ne faut pas parler. Parce qu'on va faire apparaître donc, sur l'écran des images. Et Bamba Amisara va devoir les deviner, d'accord? Alors, ça Ami. Taille, non, mais sa taille déjà même, ça cache. Donc, c'est pas grave, il va mettre quand même la main. Tu vas peut-être regarder la caméra là. Oui. Et Ray, tu vas fermer ses yeux, tu vas lui bander les yeux avec tes mains. Voilà! Oh, j'adore! Première image. Bon, ok, on enlève l'image. Tu enlèves tes mains. Et Bamba Amisara regarde à travers la toile blanche. Vas-y. Un chat. Non. Un lion. Un lion, bonne réponse. Allez, rebelote. Image. Il colle trop. Hein. On l'enlève, évidemment. 15 secondes. Bah, c'est trop facile, ça. Une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, bonne réponse. Pastoche. On enchaîne. Ouais. On enlève. Un poisson? Non. On ne fait pas de bruit, hein. Tu fais quoi comme ça? Un chien? Un chien, bonne réponse. Est-ce qu'on l'a entendu aboyer? Non, pas du tout. Prochaine image. Est-ce que ses doigts sentent bon? Ami, tu veux répondre? On peut l'enlever. En 15 secondes. C'est trop facile. Un téléphone. Un téléphone. Bonne réponse. On va intervertir. Bon, Mami Sarah, tu donneras ton micro à Nash. Même exercice. Nash, reviens.
Voilà. Tu es abandonné pour moi. Oh. Mais tu veux que je le fasse. Mais c'est trop faible. Moi, j'aime ça. Allez. On bande les yeux de Nash. C'est bon? Il y a du coltan à moi. Nash, tu n'es pas normal. C'est bon, c'est parti, 15 secondes. Ami Sarah, ça va? Pardon, excusez-moi, attends. Est-ce que le monsieur peut se... Parce qu'on le voit, on voit l'ombre, on voit son ombre. Mais ça tient ou pas la toile? Hein, ça tient? Te voit en fait et c'est pas très joli. Monsieur, dont on voit l'ombre, dégage. Allez, c'est parti, 15 secondes. Ami, ça c'est quoi ça encore? Ami, ça c'est quoi ça encore? Kangourou. Pas du tout. 2 secondes. Et non. C'est pas. Malheureusement, c'est fini. C'était plutôt une girafe. Voilà, il peut pas tenir. Ouais. Est-ce que Nash peut nous dire comment elle aurait fait la girafe? Juste pour le fun. Voilà. Comment tu aurais fait la girafe, toi? Ah ouais, c'est pas mal, ça. On enchaîne. Prochaine image. Nash. Oh là là. C'est bon. On fait pas de bruit, hein, je rappelle. Top chrono. Non. Pas de bruit. Ray, je sais que t'es à l'aise, mais ça va. Bah oui, ça suffit. Ça finit. Poc, poc. Cochon, cochon. Bonne réponse. Il y a mis un bien de porc. Poc, poc. La Gabi. Un Gabi. Avec cocotille. C'est comme le boubou de tout à l'heure, non? C'est ça. Boubou, quoi. Alors, on enchaîne. La toute dernière image. C'est bon, on y va. Ah, c'est dur. Le tout dernier, je réfléchis. Comment tu vas faire ça là? Tu restes 6 secondes. Poisson. Bah oui. Bonne réponse. Ça c'est quoi ça encore? Bah oui. Ah, nous, on met pas à tic. On met pas à tic. Comment t'asseoir? Ça c'est pour la team 1. Team 2. En action. Tous les deux. On va laisser un micro. Et je vais charger Nash. Attends, moi Nash, j'ai une question. Qui va me bander les yeux? Ben César. Ça va être un peu compliqué. Non mais Nash. Non mais cette fille est touchée. Elle est mentalement touchée. Mais Nash, tu flirtes littéralement avec elle. C'est incroyable. Allez. Nous allons demander à Ray de se mettre à genoux. Ah mais carrément. Pour arriver au niveau de Nash. Non Nash, tu n'es pas une naine. C'est Ray qui est trop grand. Et faciliter la gestuelle qui s'impose. Alors. Voilà. Nash. Encore. Alors. La Saint-Valentin c'est déjà passé. On va afficher la première image s'il vous plaît. Avant que tout ça ne parte en cacahuète. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Nash, s'il te plaît. Ray. Oh, trop facile. Un oiseau. Un oiseau, oui. La prochaine fois, on va rendre plus difficile. On enchaîne. Attends, Nash, elle me chatouille. Elle prend la chose très au sérieux. Elle fait même des extras. Oui. Ça c'est quoi ça encore? Un sac à main. Bah oui. J'ai l'impression que ce jeu est d'une facilité déconcertante. Non, c'est. Il c'est vous qui êtes trop intelligent, c'est il ça. Il fait bien la fille là-bas. Ok, ça marche. On enlève l'image. Je me demande bien comment il va faire ça. Ha ha ha. Gnac gnac gnac. C'est grave, ouais. C'est quoi ça? Tu as encore 5 secondes, Ray. Un ver de terre. Bah, pas du tout, mais pas très loin. Et malheureusement, c'est fini. C'était un mille pattes. Mais comment tu l'aurais fait? Comment tu l'aurais fait, Ray? Mille pattes.
Moi, j'aurais écrit 1000. Ben ouais, carrément. Alors, on enchaîne. Un verre. Une tasse. Une tasse. On change de, enfin de position. Comment on fait? Vas-y, fais-le avec le micro. Moi, il m'en fout. Mais tu vas toujours aider. Bien. J'ai ses pluriels. B. B. Tu veux te mettre à genoux aussi? Non, je rigole. On s'est choisi. Allez, prochaine image. C'est bon? Chrono, 15 secondes top, c'est parti. On parle pas, hein? Je te vois pas. un kangourou? Non, c'est pas un kangourou, mauvaise réponse. Tu as encore 2 secondes. Et pas. Non! Fallait plutôt dire une sauterelle. Tu peux te relever? Une sauterelle. Sauterelle. Ou un criquet. Quoi, 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 quoi. On enchaîne. C'est bon? Tu parles. Top chrono. Une moustique. Un moustique. Yeah. On dira plutôt un moustique. J'ai dit? Tu as dit une mouche. On n'a pas entendu. On a tous entendu. Ça suffit, toi. Un moustique, c'est bien ça. On enchaîne. Fais-le bien, Ray. T'as intérêt. 15 secondes. Oui, ça c'est un kangourou. Un kangourou! Bonne réponse, on peut les applaudir. Ça c'est quoi ça encore? Ça c'est quoi ça encore? Eh bien, on peut applaudir pour nos candidats qui ont toujours la forme. Eh, ça va? Ouais. Ça va ou quoi? Ouais. Eh, vous avez le sourire, vous avez la pêche. On s'éclate. Et on va continuer de s'éclater. Connu, les résultats. Pardon? Les résultats. Les résultats, évidemment. Ben voilà. Alors, au terme de cette épreuve, ouais. Je puis vous affirmer que... Imo. Oh non, il est attention, encore là. Attention, personne ne doit parler, ni rire. Attention, 10 secondes. 9. Je veux voir le visage du combat, Missara. Attention. C'est Michael Jackson. 5 secondes. C'est Bomba Missara, elle a serré les lèvres en fait. C'est trop marrant. 4. 3. Fais ton fou rire, Connie, s'il te plaît. Gua, gua, gua. Il faut que tu me racontes une blague. Deux, ça se commande pas. Une blague qui fait pas rire du tout. Bah, tellement ouais. Elle fait pas rire, elle va faire marrer tout le monde. Allez, vas-y, essaie. C'est l'histoire d'un gars qui pensait tellement à ce qu'il allait faire avec son argent qu'il a oublié de respirer. Ordi. Oui. C'est une histoire drôle, pas drôle du tout. Ah si, t'as vu. Elle a cédé, Nash. Bouge. Bouge. Il a dit bouge. Mais je crois que Nash... Nash a cédé, n'est-ce pas? Et on annonce en même temps la victoire de l'équipe 1. Oh ouais. Et par la même occasion, le gage justement pour le Imo. C'est Nash qui arrive. C'est Nash qui arrive. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Alors Nash, tu vas devoir danser sans chaussures et te rouler sur le dos. Donc tu enlèves tes chaussures et tu danses en faisant une acrobatie à partir de laquelle tu devras te rouler sur le dos. Yako, hein. Yako, Nash. Yako, non, tu peux rester en chaussettes effectivement, mais c'est sans chaussures. Allez, on l'encourage. Attention, une chanson, Yorodonctique.
Mesdames et messieurs, vous êtes dans On s'éclate, évidemment, on espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Attention, ce n'est pas fini, il y a encore des choses à voir dans quelques instants seulement. Avec tous nos invités, on va se retrouver dans quelques minutes, juste après la pub. A tout de suite. La série la plus attendue d'Afrique. Oh, tu parles Carlos Touré, mec. Jacob a un rêve. Patrick, j'ai du lourd. Du très très lourd pour toi. C'est le PSG ? Mais chaque rêve a un prix. Ok, le compte est bon. Amour. Si tu pars jouer en Europe, tu m'emmènes avec toi. Amitié. Trahison. Si tu crois que c'est fake de tous les Carlos, tu es mal barré, mon fils. Mais là, que veux-tu que je fasse? J'ai ma solution, Max. Vivez toutes ces émotions. Rêve sans fin. Quand tu danses avec les hyènes, assure-toi qu'elles ont bien mangé avant. En exclusivité sur RTI.